Bien, donc soldat Henri Müller. Donc, vous avez demandé à l'état-major de passer dans les forces spéciales. Cependant, pour passer dans les forces spéciales, il y a un examen à réaliser. J'espère de fait que vous avez tout l'équipement adéquat pour réaliser cet examen qui se déroulera ici, dans cette zone qui est considérée pire que l'enfer par l'état-major. De fait, vous allez devoir nettoyer la zone et vous débrouiller seul. Cependant, je serai là en appui si jamais je remarque qu'il y a nécessité d'un appui. Est-ce que vous avez bien compris, soldat? Bien, allons-y alors, passez devant. Faites attention à bien respecter les consignes de sécurité, de vous mettre à couvert et ainsi de suite, soldat. Pour l'instant, vous vous débrouillez pas mal. Effectivement, pour l'instant, vous êtes digne des forces spéciales, soldat. Pour l'instant. N'oubliez pas que en tant que membre des forces spéciales, vous allez devoir faire des choix. Des choix importants. De fait, ici, vous avez deux choix qui vous incombent. Soit le choix d'aller tout droit, soit le choix de passer par le petit tunnel sur la droite. À vous de voir lequel serait le plus pratique pour vous. Parce que la zone est plus dégagée pour tirer, pour Bien. se cacher, entre autres, protéger. Juger son environnement sur le coup est une qualité des forces spéciales. On va voir quelles bonnes décisions sont à prendre. Cependant, il y a des fois où vous serez obligé de foncer dans le tas. Faites attention dans les lieux exigus, ça peut refermer d'ennemis. N'hésiterai pas à tirer un coup sur les ennemis pour éviter qu'ils vous assassinent, on va dire. J'aimerais éviter de perdre un soldat. Surtout un futur membre des forces spéciales. Ils sont tellement rares de nos jours. Êtes-vous sûr qu'on va vers la bonne direction, soldat? Ah, mais
Contrôle la zone quand même. Bien. Je ne vous cache pas que vous avez quand même perdu pas mal de balles à tirer dans l'acier de ce pod de Protectron. Faites attention à bien rester à couvert ici, puisque ils ont l'avantage que ce soit dégagé pour eux. N'oubliez pas de vous mettre à couvert pour prendre aussi impact, c'est très important. Allez, on continue. N'oubliez pas que vous pouvez user de grenades si jamais. Allons bon, continuons. Faites attention à vos radiations, recrues. Enfin, recrues, ceux-là plutôt. Et allez, on continue à s'engouffrer dans les tréfonds de cette grotte.
Bon, par contre, pour ceci, je ne vous cache pas que j'accepte de vous aider puisque c'est relativement compliqué de s'en débarrasser de ces choses. Attention, on recule, on recule. N'attendez pas à avoir une résistance de ce type. Bien joué, soldat. Bon. Malheureusement, il a fallu que je me défende face à cette chose. C'est pas si grave que ça, mais bon. Allez, poursuivons. Faites attention tout de même aux radiations. Je vous recommande de prendre Radoé et Radix dilué. Ou Radix si vous en avez. On prend un radar pour économiser. Bien. N'oublie pas, les radiations sont l'ennemi de l'Amérique. Et ce qui est l'ennemi de l'Amérique, c'est aussi l'ennemi de l'enclave. Parce que nous sommes le gouvernement. Et nous sommes des soldats à la solde de l'Amérique. Et du gouvernement. Bien, c'est ici que les choses vont commencer à se corser, soldats. Enfin, sous peu, les choses vont commencer à se corser. Donc, je vous invite à poursuivre la mission. Attention, faites attention, je détecte roi fangeux, comme nous en avons rencontré précédemment. Ainsi que des calcinés, mais ça, c'est une masse à faire. J'utilise une grenade plasma. Le pas très était très efficace, dis donc. Faites attention par derrière, faites attention à vos arrières. Le renfort arrive. Voilà. Tout est bien qui finit bien, voyons. Bien, poursuivons. Allez, soldats en avant. Pour l'instant, vous n'avez pas démérité, ce qui est une qualité. On peut apprécier vos salles de force spéciales. Bon, je vous avertis déjà, après cette zone, ça risque d'être compliqué à partir d'ici. De fait, faites bien attention à survivre. Et utilisez des appuis pour vous mettre à couvert. Allons-y, soldats. C'est maintenant où les choses se corsent, soldats. Je vous recommande de vous mettre à couvert si jamais.
passe bien, soldat? Mais... Ça va, vous savez vous débrouiller. C'est bien. Faites attention, vous tirez dans le mur là. Enfin, j'ai l'impression. Bien, poursuivons. Allons-y, continuons. Laissez-moi juste prendre le temps de prendre un radeau, ouais. Je me nettoie toutes ces radiations. Mais voyons, pour ma part, ce tout de même un bon examen, non? Oui. Après, on va peut-être potentiellement discuter plus en extérieur. Appuyez sur le bouton. Bien, donc soldat, l'examen est terminé. Je vous tiendrai en l'occurrence aux informations pour savoir si l'état-major décide ou non de vous accepter au sein des forces spéciales. Sachez que pour ma part, j'ai pu observer que vous étiez plutôt doué dans tout ce qui est de l'art de l'élimination à distance et dans toute la discrétion la plus possible. Cependant, il y a quelques petits détails un petit peu qui sont fâcheux, mais ce n'est pas non plus très dérangeant. Donc, sachez que vous avez quand même fait preuve d'une exemplarité au travail et à la tâche. De fait, j'espère vous voir dans les forces spéciales, soldat. Mais ça, ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à l'état-major. Bien, vous pouvez rompre, évacuer à vos occupations, vous avez votre permission de la journée. Vous pouvez romper.